bol de course, mais cette fois-ci de chez Picard. On en a eu pour 100 euros. Je sais pas si vous connaissez ça. Picard, ils font des guimauves enrobées de chocolat dans des sachets individuels. C'est des petits nuages, en forme de petits nuages. Incroyable. C'est les meilleurs guimauves au chocolat que vous pouvez trouver. C'est incroyable, j'en ai mangé dans la recette. Des framboises congelées. Faut que je me dépêche par contre parce que tout va décongeler. Ils font du poulet rôti comme ça, on dirait du poulet de la rôtisserie. J'en ai pris deux sachets. Surtout que moi je vis comme si j'avais un grand congèle alors que mon congèle est littéralement... Par rapport à cette question, en fait, enfin cette réponse, en fait moi aussi des fois j'ai envie de poster tout ce que je mets sur TikTok en réel Insta. Mais j'ai l'impression que Insta... C'est plus des trucs genre esthétiques, faut être belle, des trucs organisés, des trucs bien montés. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre c'est grave la vibe de Insta. Alors que bah moi dans ma vie de tous les jours, je suis pas comme ça quoi. Donc du coup, je poste vraiment plus ponctuellement sur Instagram que sur TikTok. Faudrait que j'essaie de faire, que je réussisse à faire des choses intermédiaires. Mais j'ai vraiment du mal, quoi, parce que j'ai la flemme de me pimper à chaque fois que je veux faire un truc. Et je vous vois mal, en fait, qui poste ses retours de course sur Insta, même. Non ? Je sais pas. Après, dites-moi, franchement, si vous vous en foutez, que vous me dites, mais poste-les sur Insta, on s'en fout et tout. Je vais poster, hein, je poste tout. Mais voilà, dites-moi. Vous voyez ce genre de douche où vous lavez votre âme ? Je me suis gratté la peau avec un gant, carrément. D'abord, je fais ma routine cheveux. Et ensuite, skincare. Dans la douche, je me suis déjà nettoyée le visage, donc je fais toujours double nettoyage. Baume gras pour enlever vraiment tout. Et après, corps à queue comme ça. Et toujours de chez Yepoda. En fait, ça fait 2 ans que je bosse avec eux. Ça fait 2 ans que je collabore pas avec d'autres marques de skincare parce que c'est vraiment les meilleurs. Ensuite, normalement, je mets le Cheap Sheet. Mais en fait, j'en ai quasiment plus. Enfin, en fait, j'en ai plus du tout d'ailleurs. Et je reçois un colis. Je devais le recevoir aujourd'hui. Et au final, le livreur a dit qu'il m'avait livré. Bref. Et du coup, bah là, j'en ai plus, mais c'est un Cheap Sheet à l'acide hyaluronique. Mais moi, c'est mon moment préféré. Et là, du coup, j'ai mis mon sérum au niacinamide. Et en fait, ça resserre les pores. Mais après, il y a un autre sérum, c'est The Purify Hero, si vous avez plus une peau à problème. La crème de nuit, c'est la Midnight Magic. Mais oh, je suis obligée de me l'appliquer comme ça, parce que pareil, je suis en train de racler les fonds. J'attends mon colis. Et avec ça, il faut que vous mettiez le sérum qui fait l'effet vraiment glass skin. Il est incroyable, c'est The Hero. Il se présente comme ça. En fait, il faut le mélanger dans votre crème de nuit. Et c'est un hybride entre un sérum et une huile qui va venir vous faire déjà une pellicule sur votre peau pour venir garder en gros toute votre skincare et tous les bienfaits de votre skincare sur votre peau. Et en plus, ça vous rajoute de l'hydratation. Et en plus, c'est ça qui fait l'effet glass skin.